Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué. Attention, un tour pas très facile à réaliser. Là, ça rentre clairement dans des tours destinés à ceux qui ont des bases en magie. C'est pas que c'est forcément difficile, c'est juste que voilà, il va falloir un petit peu quand même travailler. Bref, comme d'habitude, je vous laisse avec la démo et ceux qui voudront apprendre à réaliser le tour, vous aurez le lien de la vidéo explicative dans la description. Et comme d'habitude, pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas encore fait et de cliquer sur la cloche pour être notifié des futures vidéos mises en ligne. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour la démo et avant de commencer, pour gagner du temps en fait, j'ai préparé sur le dessus du jeu les 4 rois. Mais vous pourrez si vous voulez les sortir du paquet ouvertement comme je vais le faire ici avec les 4 as. Puisque je vais avoir besoin des 4 as, 3 et 4, parfait comme ceci. Donc ici nos as, nos 4 as. Ce que je vais faire c'est que je vais en enlever un que je vais laisser sur le jeu pour l'instant. Et on n'utilisera que les 3 autres pour le départ, hein. Par contre pour les rois c'est différent. Eux on va utiliser les 4, hein, vraiment les 4 rois. Donc 4 rois plus les 3 as qu'on a laissé juste ici. Et l'idée la suivante vraiment, ça va être d'intercaler en fait, je dis bien intercaler les as avec les rois. Donc on va mettre un as entre à chaque fois, entre les rois, comme ceci, 1, 2, 3, comme ceci. Et on peut égaliser le tout, vraiment, hein, nettement, comme ceci. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'on fait par contre de l'as qu'on a laissé sur le jeu? Alors celui qu'on a laissé ici, on va l'isoler. Alors normalement c'est un spectateur qui fait ça, on demande à un spectateur de tendre sa main. Et en fait on prend l'as et on lui met entre les mains comme ceci pour qu'il le garde vraiment avec lui, qu'on puisse pas manipuler ou tricher comme ceci. Et là on récupère nos 7 cartes, les 7 cartes que je récapitule qui sont intercalées à chaque fois entre roi et as, juste comme ceci. Et regardez bien. L'idée la suivante, ça va être de faire disparaître les as. Alors là, vous allez me dire c'est impossible, non, mais visuellement, de les faire disparaître, ça donne comme ceci. 1, 2, 3, instantanément, les as disparaissent. Alors réellement, hein, tous les as, hein, entièrement tous les as, les 4. Les 4, même celui-là, il a disparu. Hein. Oui, oui, parce que c'est plus un as maintenant. Entre les mains du spectateur, l'as a complètement disparu. C'est vraiment incroyable. Pourtant, vous allez me dire, c'est pas possible qu'ils puissent disparaître. Effectivement, en fait, ils ont juste voyagé. Ils ont voyagé ici, dans le paquet. Je vous montre comme ceci, si on fait juste comme ceci, on peut voir qu'il y a un premier as qui apparaît. Premier. On fait la même chose. Ah non, ah si, claquer des doigts peut-être. Et si on claque des doigts là, il y a les deux as qui apparaissent d'un coup. C'est fort, hein. Pour le dernier, il est allé encore plus loin, c'est-à-dire qu'il a voyagé tellement loin qu'il est retourné, dans la boîte. Si, parce que si on regarde dans la boîte, qu'on sort la carte qui est dans la boîte, ben c'est le quatrième, hein. Il a bien voyagé. On se retrouve bien avec les 4 as. Et tout est examinable, il n'y a rien à voir. Et voilà, j'espère que la petite démo vous aura plu. Vous l'avez vu, un petit tour assez sympa finalement avec un climax à la fin qui change de d'habitude. C'est pas très compliqué à faire, mais voilà, il va falloir quand même bosser. C'est pas du tout un tour automatique, loin de là. Comme d'hab, n'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux si vous avez des questions à me poser avec Facebook, Instagram et TikTok. Également l'école de magie, magistreaming.fr pour apprendre les bases de la magie des cartes et de la magie des pièces. Avec la plateforme de VOD. Et également, vous pouvez souscrire à Tuto Magie Premium directement sur YouTube pour avoir accès aux vidéos exclusives du lundi et en même temps me soutenir tout en développant de nombreux avantages comme la possibilité d'avoir des emojis et des posts exclusifs, des vidéos exclusives et la possibilité de participer à un concours tous les 15 du mois réservé aux membres. Bref, cette vidéo prend maintenant fin, n'oubliez pas le pouce bleu, le petit commentaire que je lis à chaque fois et sur ce je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.